geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 12 septembre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Beaudoin et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Résister ». C'est une toute petite beauté du jour aujourd'hui, puis je vous la lis et on y revient par la suite. C'est un vieux proverbe, je ne sais pas qui vient d'où sur la planète, mais qui dit ceci. Et portez attention parce que ça va aller vite. Il n'y a que les poissons morts qui suivent toujours le courant. C'est tout. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. En fait, cette petite phrase-là m'est apparue à un moment donné quand je faisais des recherches, puis je la trouve très, très intéressante. Parce que, voilà quelques semaines, je vous citais Christian Bobin, qui nous disait que la sainteté, c'était la souplesse, c'était de suivre le courant de la vie. Hein? Et j'ai toujours apprécié cette posture. Mais aujourd'hui, parce que je suis un être parfois de paradoxe, je vous propose complètement l'opposé. Hein? Fait que ça vous démontre qu'il n'y a pas de règle universelle dans cette vie. L'idée, c'est de s'amuser avec les philosophies, avec les croyances, et de garder une certaine légèreté dans tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a que les poissons morts qui suivent toujours le courant. Moi, ce que ça me dit, ce petit proverbe-là, c'est qu'à l'occasion dans la vie, nous sommes appelés à résister, à se battre, à lutter pour ce qui est important pour nous. Hein? Alors, c'est comme en quelque sorte l'éloge de la résistance, qui est parfois nécessaire, je le crois, dans notre vie. Je pense à plusieurs patients au travail quand que j'accompagne certains patients qui me disent « Moi, j'ai le goût de me battre. J'ai le goût de continuer les traitements, même si les spécialistes me disent que ce n'est pas une bonne idée, même si les gens de ma famille doutent de mon intention. J'ai le goût de me battre. J'ai le goût de résister face à cette maladie-là. » Souvent, cette posture-là, je l'observe chez les jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Pas tous, bien entendu. Hein? Je ne veux pas généraliser, là, mais les gens qui ont cette énergie combative, souvent je la vois, entre autres, chez les jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Puis quand j'étais un jeune travailleur social, que je commençais en soins palliatifs il y a de ça quelques années, je trouvais ça dommage, cette posture-là de combat. Je trouvais que c'était pas beau, la notion de combat, de résister face à ce que la vie nous propose. Je lisais plein de livres de croissance personnelle, plein d'ouvrages spirituels qui disaient qu'il ne faut pas lutter, résister, combattre ce que la vie nous propose. Comme si j'avais un mot à dire, moi, sur la posture des gens que j'accompagnais, comme si j'avais une opinion à prononcer, peu importe. J'étais jeune. Heureusement qu'on vieillit et qu'on s'assagit avec le temps, cher ami. Je vous souhaite de vous assagir, vous autres aussi. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « j'ai le goût de combattre », je dis « parfait, tant mieux ». L'important, en fait, pour moi, c'est d'aller valider ce qu'il y a au fond du cœur de cette personne-là. Si cette personne-là veut combattre parce que c'est quelqu'un d'autre qui la pousse à combattre, je ne pense pas que c'est nécessairement une bonne idée. Encore là, ce n'est pas à moi de me prononcer. Mais si au fond d'elle, son cœur lui dit de continuer à avancer, à résister, eh bien, pourquoi pas? Alors sur ce, aujourd'hui, cher ami, je vous invite à résister parfois, mais surtout à écouter votre cœur. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme, retrouver votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre, s'intitule « Mise en forme de l'âme, retrouver votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Récemment, dans le mois de juillet, c'était le 10 juillet, j'ai commencé avec vous le psaume 139, trop long pour le parcourir en un seul homélie. Alors, je l'ai partagé et je continue aujourd'hui dans le psaume 139 à partir du verset 7 jusqu'à 18 et je poursuivrai mercredi le 27 de ce mois pour compléter cette lecture. Je le fais en trois parties parce que parfois, vaut mieux étirer un peu, mâcher un petit peu à la fois et bien digérer un psaume aussi coriace. Parce qu'il y a beaucoup de travail poétique. Comme n'importe quelle poésie qui a été faite avec attention, il y a une charge dedans émotionnelle, il y a une passion qui a été mise dans des mots, des synonymes, des assonances, un équilibre. Et ce psaume est rempli de tout cela pour montrer comment Dieu est extraordinaire. Et je vous avais présenté justement les quatre vérités qu'on retrouve dedans, c'est que Dieu est omniscient, il sait tout. Les versets qu'on va lire vont nous parler du fait qu'il est partout présent dans sa toute connaissance et qu'il est omnisuffisant, c'est-à-dire qu'il a la puissance créatrice. Et comment il répond à ces vérités dans les versets 19 à 24 que nous verrons dans une autre occasion. Je vous lis verset 7. Où m'en aller pour être loin de ton souffle? Est-ce que je peux me sauver de Dieu comme Jonas dans l'Ancien Testament a tenté de le faire? Ou m'enfuir pour être loin de ta face? Est-ce que c'est même possible? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche, même aux enfers, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore pour habiter au-delà des mers. Là encore, ta main me conduit, ta droite me tient. Je dis, au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Et donc, il n'y a rien qui peut nous faire échapper du regard de Dieu. Il connaît tout parce qu'il voit tout. Rien ne lui échappe, il est partout présent, sans non plus être la table, être le banc. Il n'est pas ça, mais il est partout présent. Il n'y a pas moyen de me sauver de lui. Et vous savez, certains
passent leur vie à essayer de sauver le Dieu, à s'arranger tout seul. Et j'aimerais vous dire que ce sera une quête inutile, nous dit la parole de Dieu, nous dit le psalmiste, le roi David, par son expérience. On ne peut échapper à son regard. Et il poursuit maintenant, au verset 13. C'est toi, et voici pourquoi, dans le fond, rien ne peut lui échapper. Ben, c'est toi qui m'as créé, qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel, donc Dieu me protégeait à l'intérieur du ventre de ma maman. Il me voyait là. Je confesse que je suis une vraie merveille, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont prodigieuses, oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait ou tissé dans le secret, tissé dans une terre profonde, une image des profondeurs du ventre où il a été fabriqué comme on tisse et qu'on fabrique un morceau de linge. Une belle image de comment Dieu nous a tissés dans les moindres détails. Et vous savez, ça vient tout toucher comment un embryon à l'intérieur d'une femme est précieux pour l'Éternel. Et son but, ce n'était pas de s'attaquer à tous les débats qu'on a actuellement, pro-vie, pro-choix, puis toutes ces affaires-là. C'est pas ça l'enjeu. Il nous ramène simplement à Dieu. C'est tout. C'était pas dans un débat qu'il parlait de ça. Il parle de l'aspect précieux de chacun d'entre nous. Dès le ventre maternel, Dieu me connaît. Il a des plans, il me connaît dans les moindres détails. Il m'a fabriqué. On est précieux. Je n'étais qu'une ébauche, un embryon. À tes yeux, et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits ces jours qui furent formés, quand aucun d'eux n'existait encore. Il connaissait tout ce que ma vie allait produire. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est élevée. Je voudrais les compter. Ils sont plus nombreux que le sable. Je m'émerveille et me voici encore avec toi. En fait, je m'éveille. Vous voyez, tellement grand qu'il est insondable, que je ne peux pas calculer le nombre de ses pensées et de comprendre tout. Vous savez, ce que je vois ici, c'est comment on est précieux à ses yeux et comment on ne peut pas se sauver de lui. Et on est si précieux aux yeux de Dieu, tu es personnellement précieux aux yeux de Dieu, qu'il a envoyé son Fils précieux, son unique Fils, venir sur terre pour mourir à la place de nos propres péchés. Vous et moi, on n'aurait pas pu effacer la dette de nos péchés devant notre Créateur comme rebelles, comme pécheurs. Mais Dieu nous aime tellement depuis le début, alors qu'on était tout petit, que personne ne nous voyait. Lui nous a fabriqué, il nous a vus, et il a concocté un plan pour venir sauver cette précieuse vie, éloignée de Dieu. Et ça passe par Jésus-Christ, le précieux Fils, pour une vie précieuse qu'est la tienne. Est-ce que tu reconnais combien tu es vu par Dieu, précieux pour Dieu, et tellement qu'il a envoyé son précieux Fils pour toi? Que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est, c'est fait. Notre émission du dimanche a changé d'heure. J'espère que ça vous a plu, ce nouvel horaire qui est commencé depuis dimanche dernier. 13 heures désormais, notre émission du dimanche. Les mêmes témoignages pleins d'espérance qui nous redonnent confiance, qui nous redonnent foi, qui nous soutiennent dans notre cheminement. Le même amour de Dieu qui se livre à nous dans ce nouvel horaire. Donc, les dimanches, 13 heures, votre émission La Victoire de l'amour qui est toujours là pour vous. Merci d'ailleurs pour votre prière pour la mission de La Victoire de l'amour. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Merci d'être là. Je prie pour vous. Bonne journée. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère